Et surtout, vous, chers amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi pour cette émission Sportissimo, votre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Tout de suite, avant bien sûr de vous mettre dans le bain de ce que nous allons devoir développer dans cette émission de ce soir, je vous prie donc de suivre ce sommaire. Ça vous donnera une idée. Vous avez déjà une idée de ce qui sera développé dans cette émission de ce soir, mais nous vous informons que nous ne serons pas seuls. Nous avons un invité, il s'appelle Patou Mangenda. C'est un analyste sportif. Avec lui, nous allons essayer de développer des sujets importants. Il s'agit d'un côté du comité olympique congolais avec toutes les tractations qu'il y a avant l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Et puis nous parlerons également de ces rendez-vous manqués de la formation de l'ASV Club qui en principe devait recevoir lors de la deuxième journée des play-off, la formation de Don Bosco, mais un quoi qu'a fait que les choses ne puissent pas marcher comme on le souhaitait. Et voilà pourquoi la Fédération Congolaise de Football, l'association qui avait donné l'autorisation à Don Bosco de pouvoir effectuer les déplacements du Maroc, a été pointée du doigt. Il sera ici avec nous pour qu'on en parle et qu'on donne les avantages et pourquoi pas expliquer l'incidence de ces rendez-vous manqués. Alors, Patou Mangenda va devoir faire son entrée d'un moment à l'autre, mais juste le temps pour nous de revenir encore sur un autre effet, c'est-à-dire les play-offs. Les matchs sont joués pendant le week-end et vous avez le droit de connaître tous les résultats enregistrés à propos. Bonsoir Patou. Voilà, Patou Mangenda est avec moi. Je le disais d'ailleurs à nos téléspectateurs avant que tu ne fasses ton apparition sur ce plateau que j'ai qualifié d'ambulant pour nos téléspectateurs. Je disais que tu étais analyste sportif et consultant. Avec vous, nous allons devoir parler du comité olympique avec toutes les tractations qu'il y a autour de l'organisation de l'AGE. Et puis, nous parlerons également de play-off avec, bien sûr, ces rendez-vous manqués qui a fait soulever des montagnes et a fait parler même les sourds à propos. Et donc, vous avez certains arguments qui pourront peut-être aider nos amis sportifs à comprendre le pourquoi du report de ces grands rendez-vous tant attendus par tous les deux fois noirs de la capitale. Bonsoir Patou. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Sûr? Sportivement bien. Bien, mais voilà pourquoi, chers amis et téléspectateurs, je vous le disais d'ailleurs au sommaire de cette émission que nous allons devoir faire allusion à ce qui s'est passé hier dimanche. Ça s'est passé bien sûr à Tunisie. L'équipe de Tout-Puissant Mazembe au match aller à Lubumbashi a battu la formation de JS Kabylie sur la marque de 2-0. Donc il fallait un match retour pour se qualifier pour le 8e des finales. Les récits à travers cet élément. Début marqué par le corbeau, Stade Tout-Puissant Mazembe à Lubumbashi ont permis au club de la capitale qu'il préfère d'arracher sa qualification pour la phase de poule de la Coupe de Confédération ce dimanche 16 avril. Le Tout-Puissant Mazembe atteignant un échec JS Kabylie, soit 0-0. Dans un bel élan, le corbeau en fait l'essentiel. Voilà, chers téléspectateurs, pendant que vous étiez en train de suivre ce sujet, nous nous sommes permis de nous installer. Donc, nous sommes déjà installés, mais avant, bien sûr, d'entrer dans les vifs de notre sujet, je vous prie de suivre celui que la rédaction de Sportissimo a préparé. Il s'agit, bien sûr, de ce rendez-vous Don Bosco ou l'ASV Club Don Bosco. Il y a 8 jours, le comité sportif de la Ligue nationale de football avait prévu cette rencontre au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu pour une raison primordiale. Après avoir tenu en échec le Sa Majesté Sangabalindi lors de la première journée de play-off, l'SV Club de la capitale attendait des pieds fermes Don Bosco pour refaire son retard de la deuxième journée, car le championnat semble serré et rude. Malheureusement, pour un événement sans forte incidence, Don Bosco a réussi à faire reporter ses matchs par la FECOFA interposée. Le comble, c'est que l'SV Club n'est saisi de la décision que 24 heures avant le match. Les dépenses engagées pour préparer cette rencontre fait jaser les dirigeants et supporters du team vert et noir qui crient au complot de déstabilisation. Avec le club étant une équipe engagée, nous avons besoin de matchs. En son temps, nous avions sollicité que le championnat reprenne le 21. Voilà au moment où pratiquement le tirage au sort aura lieu le 26 avril à 14h en Égypte au Caire.
Et nous devons que nous préparer parce que tout juste après le tirage, ça sera pratiquement 2 semaines ou bien 3 semaines, c'est déjà la compétition. La compétition, c'est maintenant qu'il faut avoir la compétition dans le genre. Celui-ci en profite pour justifier les scénarios sur le terrain. Nous avons tracé notre ligne, nous allons continuer à travailler sérieusement. La preuve aujourd'hui, le match n'a pas eu lieu, nous allons nous entraîner, nous continuons à respecter notre programme. Ces matchs aux allures d'une séance d'entraînement avaient pour but d'officialiser les forfaits à infliger aux Salésiens de Don Bosco pour non-présentation au terrain. Ce qui équipe est boy match les jours le demain à match ce qui équipe est boy qu'au bêta match normalement bah quand 3 points biso tous les lavabes c'est 3 points à match à biso na Don Bosco. D'abord tous ces gars qui mien en boca tous ces gars qui mien ne va supporter mais je n'ai pas commencé cette histoire ceux qui le lobe a tranché bien été nous les supporters on va prendre nos décisions parce que ils ont vrai été et selon les textes bah rembourser biso bah frette au to engagé qui. Don Bosco ayant agi sur décision de la FECOFA de les voir livrer ses matchs amicaux pour sceller les partenariats d'organisation entre la RDC et les Maroc, que l'institution fêtière nationale du foot venait de signer, ne rougit pas aux réactions orientées des Dauphins Noirs. Nous sommes de retour sur ces plateaux, Patou Manguenda. On a suivi quand même les réactions des uns et des autres. Du côté de l'ASV Club, on persiste et signe que cette équipe de Don Bosco doit avoir un forfait pour ne s'être pas présenté au lieu du rendez-vous, c'est-à-dire au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et pourtant, 48 heures avant ce rendez-vous, l'équipe de Don Bosco était ici à Kinshasa. Est-ce que c'est vraiment réglementaire qu'une équipe puisse désister ou demander les reports d'un match à 24 heures de la date fatidique. Merci Marceline. Je voudrais d'emblée dire aux téléspectateurs de pouvoir dépassionner le débat, dépolitiser le débat. Les textes disent à la demande d'un club, c'est 72 heures. Absolument. Mais dans ce cas précis, qui a demandé le report du match? C'est la grande question que l'on devrait nous poser. Mm-hmm. Qui a demandé à ce que l'on reporte le match? Ni Veklov, ni Don Bosco. L'incriminé. Ni la Lina Foot. C'est l'organe fêtier du football congolais. Je crois, lorsque l'on est à ce niveau-là, lorsqu'on perçoit les choses et l'on comprend comme cela, les 72 heures tombent. La réglementation sur les 72 heures tombe. Parce que ce n'est pas Don Bosco qui a demandé. Mais oui, effectivement, Don Bosco n'a pas demandé, mais en fait, dans l'élément que nous sommes en train de suivre, où nous avons suivi tantôt, il a été dit qu'il y avait des dépenses qui étaient engagées du côté de la SV Club. On a interné les joueurs, tout cela. Voilà. Il fallait quand même que le club soit prévenu un peu plus tôt pour empêcher à ce que l'on engage ces différents frais. Voilà pourquoi celui qui a décidé à ce que le match soit reporté pour une raison ou une autre a dit vouloir rembourser les frais engagés. Mais malgré cela, ça pose toujours problème. C'est comme si on veut à tout prix, sur une tête chauve, chercher des poux. Ah, on va là, pas c'est les... dangereux. Là, c'est dangereux. Mais on risque de gratter sur la peau le cuir chevelu. Donc, mais est-ce que ces matchs-là avaient une incidence quand même dans l'organisation de ces championnats? C'est un match comme tous les autres. Et pour une raison valable, la fédération, à travers son président, a eu à contracter un partenariat avec la fédération royale marocaine. J'aimerais dire ceci, s'il faut revenir. Au jour d'aujourd'hui, ce championnat qui suscite tant d'engouement, tant de passion, était décrié par ceux-là même aujourd'hui qui se pressent dans des plateaux de télévision hein, pour dire des fois des choses qui n'existent pas. Mais on pense quand même que c'est de l'amateurisme. J'en viens. Je veux dire quelque chose de très précis, de très important aussi. Quand on a
lancé des réformes sur le championnat et qu'on avait retiré les clubs des rings de l'entente. Voilà. Tout le monde a dit que c'était pour tuer le football. Mais le président avait persisté et signé en disant que c'était à titre expérimental. Pendant beaucoup d'années, bon gré mal gré, ce championnat a progressé. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la fédération qui le dit, ce n'est peut-être pas les Congolais, mais des analystes étrangers, le championnat congolais est classé troisième. Le même qu'on a décrié, parce qu'il fallait du temps. Vous savez, un visionnaire ne voit pas la maison en fondation. Il ne voit pas la maison en linteau. Il voit la maison faite et bien faite avec déjà la toiture. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas voir, mais le visionnaire voit plus loin. Donc la je voudrais dire ceci. On peut beau décrier ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais le président de la fédération, à travers des contacts qu'il a pris au niveau de l'extérieur, a jugé bon signer un partenariat. Peut-être n'a pas de gain sportif à l'instant, mais qui en produira certainement dans les jours à venir. Nous devons être patients et accepter certaines choses. Mm-hmm. C'est ça un peu le mal. Nous sommes un peu trop sensationnels. Nous versons dans le sensationnel. C'est bien. On peut parler de report 72 heures. Si c'était Don Bosco qui avait demandé, ok. Mais c'est celui qui décide du football qui a pris cette décision-là. Est-ce que ça ne va pas handicaper les choses? Parce qu'il y a d'autres clubs également qui pourraient éventuellement solliciter la même chose dans les jours à venir. Est-ce que ces championnats ne risquent pas de tirer à longueur et que par la suite, on ait un champion fabriqué sorti dans le bureau? Non. D'ailleurs, si il faut parler de cas de jurisprudence qui peut venir. Non, ce cas peut-être peut être pris pour une jurisprudence. Okay. Parce que au début du championnat, l'équipe de V-Club a retardé le début du championnat, la reprise, parce qu'il devait aller en stage à Kigali. Exactement. Et devait aller en deuxième stage en Gambie, au Sénégal, même en Afrique du Sud. Et ça n'avait pas posé problème. Je crois qu'il faille être élégant à un certain moment. Je crois que nous devons accepter certaines choses. Ce n'est pas parce que c'est Don Bosco affilié à Mazembe ou peut-être qu'il y a des affinités avec Mazembe. Mazembe qui appartient à Moïse Katumbi. Non. Et qui nous, est politicien. Nous, on n'a pas été à la CENCO. Mm-hmm. Nous, on n'a pas été à l'OUA. Mm-hmm. Nous, là, on est au stade. Voilà. Et que les amis comprennent que nous sommes au stade. Que tout ce qui a trait à la politique ne nous engage pas. D'ailleurs, le sport est un facteur de cohésion et d'intégration sociale. C'est dans le sport qu'on retrouve toutes les tendances politiques confondues. C'est dans le sport qu'on retrouve toutes les tendances sociales confondues. Le chégué, au grand patron, nous sommes tous au stade pour acclamer un but qui est marqué. Donc, à comprendre les choses, c'est que ces matchs-là seront reprogrammés. Le match sera reprogrammé. Et celui qui ne viendra pas ce jour-là aura forfait. Voilà, forfait parce que justement, pour ce qui concerne l'association sportive V-Club de la capitale, il y a les retours de Luvumbu qui était blessé, qui a connu une situation très difficile. Mais en tout cas, finalement, grâce au gouvernement de la République, il a retrouvé toutes ses deux jambes et il a même été lors de ce match prévu donc au stade des Martyrs de la Pentecôte aux côtés de Kassereka qui lui a été chassé au football club Renaissance mais qui retrouve ses anciens amours, c'est-à-dire l'association sportive V-Club. Le 2 ont presté ces jours-là et Mathieu Gandikovi avait sa caméra braquée sur eux. Nombreux sont ces sportifs qui pouvaient parier sur l'éventuel retour de Héritier Luvumbu du terrain si rapidement. Eh bien, le destin en a décidé autrement. Une année après sa grave blessure, le jeune homme, talent pur, vient de retrouver le terrain en se tenant debout, sans béquille. Bref, il marche désormais sur ses deux pieds. Les sportifs quinois, particulièrement le fan de V-Club, l'ont aperçu au stade de Martyrs lors de la fameuse présentation des Dauphins Noirs de la capitale pour constater les forfaits de Don Bosco pour le match de la deuxième journée du play-off. Il a même été à ses matchs d'exhibition.
Retour salué de toute évidence par ceux qui l'ont apprécié du chant 2016 du Rwanda. On rappelle qu'il a connu cet accident au cours de cette compétition du reste remportée par la RDC. De quoi apprécier l'apport du gouvernement qui n'a pas résigné sur le moyen pour remettre Luvumbu à point. C'est aussi ces mêmes jours que les spectateurs présents ont revu Kasereka, ces transfuges de V-Club accusés d'avoir été corrompus. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur ce qu'on a dit tantôt à propos, bien sûr, de ces reports du match de Don Bosco, la SV Club, parce que vous l'avez évoqué il y a peu de temps, qu'il y a certaines personnes qui politisent l'affaire au point de dire qu'on est en train de fomenter un coup pour essayer de sortir Mazembe, qui est vraiment en méforme ces derniers temps, du gouffre et puis lui permettre d'être sacré champion avec ces reports de match. Et vous croyez que c'est sincèrement vrai, sportivement parlant? Non. D'emblée, je dirais que Mazembe n'est pas en méforme parce que Mazembe joue une coupe africaine. Mazembe a battu JSK 2-0. Mazembe est une équipe en mutation. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui est en train de partir, une autre qui vient. Cette mayonnaise qui devra être faite ne s'est pas encore bien mélangée. Voilà pourquoi on voit que clopin, l'équipe avance. Mais vous verrez qu'avec les jeunes qui viennent, je ne suis pas supporter de Mazembe, mais je suis analyste sportif. Je me dis qu'une équipe a un cycle de vie. Et ce cycle finissant, il faut un nouveau cycle avec du 109. Et là, Mazembe a joué contre des rings, a fait 0-0. Mazembe devait jouer contre Renaissance. Son match avait déjà été programmé, je crois, pour ce 20. Donc, je ne pense pas qu'il y a des calculs, je dirais, intelligents pour aider l'un ou l'autre. Quand V-Club avait demandé le report contre RCK, c'était des calculs pour qui? Je ne pense pas. Je crois que nous devons être sereins. Nous devons avoir confiance à ceux qui dirigent le football. Ils l'ont prouvé au jour d'aujourd'hui. C'est une des disciplines qui fait honneur à la République démocratique du Congo. Je crois que le comité Constant Omari, qu'on se le dise, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, a ramené des trophées en équipe nationale comme en club. Au jour d'aujourd'hui, avec le championnat qui est en train d'attirer des stars africaines, beaucoup de joueurs africains sont en train de venir. Exactement. Et avec un peu d'organisation aussi au niveau, et d'accompagnement au niveau du gouvernement, ça peut nous aider à aller de l'avant. Rapidement, nous allons parler de notre club également qui fait parler de lui et qui fait sensation. Il s'agit donc de Daring Club Motema Pembe au championnat en phase des poules. En tout cas, tout le monde est unanime que le Daring Club Motema Pembe est très en forme. Et ça se remarque également au niveau de play-off. Le Daring Club Motema Pembe a livré deux rencontres. Un match nul, on l'a évoqué tantôt, contre la formation des Tupisa Mazembe à Lubumbashi, 0-0 entre les deux formations. Et puis le deuxième match, c'était face à la formation des Sa Majesté et Sangabalende au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Daring Club Motema Pembe ont raison donc de ces clubs de Mbujimayi. Et voilà pourquoi nous allons revenir sur cet événement, parce que le Daring, en fait, de mardi prochain, probablement pourra jouer son match. En attendant, bien sûr qu'on nous confirme, mais en tout cas, nous sommes lundi aujourd'hui et nous y croyons. Alors, on va s'ouvrir ces sujets réalisés, bien sûr, avec les concours de Mathieu Ngadipoufi, comme d'habitude. Le Daring Club Motema Pembe a pris une sérieuse option vers l'occupation d'une des places qualificatives aux compétitions africaines interclubs. Un nul avec le tout-puissant Mazembe pour une victoire sur l'un des candidats déterminés à ses playoffs, Sangabalende. Pour cette deuxième journée, les Immaculés ont étouffé leurs adversaires qui étaient méconnaissables sur le terrain. C'est avec facilité que les coéquipiers d'Eriki Toulengue ont empoché les trois points importants pour la suite. De quoi tirer les verres du nez des supporters de l'actuel espoir du pays, Eriki Toulengue, auteur d'un but magnifique sur coup franc direct et par sa pression a contraint les défenseurs Apinda à marquer contre son camp. Donc des rings orbite à compétition africaine. Des rings orbite à compétition africaine. La n'est pas propre. Tous ceux qui ont 2-0, hein, tous dans la compétition bon monde.
tobeti na biso ba match na biso propre et puis to za na équipe à bien eza nango balle ya mboka eza nango azubi so na mboka na ye to kozwa ye na mboka na biso eza la bien. Certains Tupamaros voient déjà en lui le meilleur buteur de ces playoffs. D'abord, la façon dont défend César Obeta. Toujours resserré dans les côtés. Toujours Obeta triangulaire, losange. On bloque par deux récupérateurs avec un pivot. Toujours na Neve, toujours na Yemei, Petit Makusu. Toujours na le meilleur buteur. Oh, à battre record. Il y a meilleur buteur, il y a 16. Il y a déjà 15. Donc encore deux buts à l'équipe en record. Comme dans la quasi-totalité de matchs officiels en RDC, les Imaniens ont déploré l'arbitrage. Le grand problème de la Lina Foot, c'est l'arbitrage. Ce qui est à Kinshasa et Salemi Boy. Et qu'est-ce qui peut se passer à Mujimai? On ne sait pas. C'est un seigneur qui va diriger la Lina Foot. Battre l'arbitre. On a besoin, nous avons besoin d'un vrai champion. On ne veut pas fabriquer des champions. On a besoin d'un vrai champion. Par sa prestance pour ces deux journées, le 2CMP confirme sa forme de la phase de poule. Jeu fluide, organisé et surtout respect de la tactique avec un public plus que discipliné, du moins jusqu'à cet instant. Du côté de l'Est Bantou, ça sent du roussi. Au bas de l'échelle, contrairement aux habitudes, les staffs techniques conscients de la défaite évoquent le manque d'organisation des administratives autour de ces voyages. Arrivée supposée tardive, la fatigue qui en découle et les résultats finaux qui reflètent ce match dit médiocre des anges et des saints. Pour s'assurer de la remontada aux prochaines journées, il faut s'adresser aux acteurs en patois. Dans ces cas, il faut un traducteur pour éviter l'ambiguïté, n'est-ce pas? Voilà, les Dari Club, malheureusement, ne sera pas à traduire. Je crois que le message était orienté. Celui qui a parlé en Chilouba voulait absolument adresser le message à ses frères. Donc, on ne traduit pas, on garde le secret. Donc, ceux qui veulent comprendre quelque chose n'ont qu'à demander à leurs voisins pour que ça se passe comme il se doit. Mais en tout cas, Sanga Balende, elle va devoir y bondir parce qu'on tient quand même à cette équipe qui, par deux ou trois fois comme ça, s'est retrouvée sur l'échiquier continental avec de belles prestations, bien qu'il y ait de temps en temps écarté de la compétition. Mais en tout cas, les Sa Majesté Sanga Balende a fort avenir et peut-être un peu d'ici quelques temps. Donc nous verrons Sanga Balende comme la SV Club, comme DSMP, pourquoi pas également comme l'équipe de Tupisa Mazembe. Ce sont les trois clubs du Congo qui ont fait honneur à ces pays en rapportant des compétitions africaines interclubs. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons encore une fois de plus retrouver notre invité avant bien sûr qu'on se rende à Bandundu. Ça sera bien sûr pour évoquer en fait ces problèmes au niveau des Dari Club Motema. Comment on peut expliquer ces revirements des situations, je voulais dire, les Daring, c'est pratiquement 60% des joueurs qui étaient l'année passée, mais qui n'ont pas pu faire mieux. La magie vient d'où? Non, ben, pour bâtir d'abord un club, il faut trouver un grand entraîneur. Vous savez, le club, c'est avant tout le président, c'est-à-dire le bailleur de fonds et l'entraîneur. C'est sur lui qu'on s'appuie. Et aujourd'hui, le Dering a trouvé, quelqu'un qui, de par son travail, qui d'abord aussi un formateur, quelqu'un qui sait travailler le talent, en la personne de Otis Ngoma, c'est l'homme par qui tout le bonheur du Dering passe actuellement. Il a déjà, dès qu'il avait pris l'équipe, il a eu à mettre déjà son style en action où tous les joueurs avaient des chances égales. Il n'y avait pas de terre conquise où on venait en boss, je sais, je suis titulaire, non. C'est quelqu'un qui a su faire ce mélange-là et aujourd'hui ça tient. Et c'est aussi la volonté de celui-là qui a été supporter dans les gradins et qui n'a pas voulu voir son équipe aller dans le sens où le Dering allait.
c'est-à-dire devenir un club comme tous les autres clubs, sans histoire, sans référence, sans titre. C'est la personne du président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Aubin Minaku. On l'appelle l'autorité morale. L'autorité morale du Daring Club Motema Pembe. Donc, c'est aussi la volonté de ce monsieur qui veut que cette équipe existe. C'est aussi l'accompagnement d'un comité, l'accompagnement des hommes qui se sont dit « Nous allons bâtir cette année une équipe forte ». Là, je pense au conseiller Jérôme Tangou. Je pense à mes deux amis, le conseiller Ekila et Junior Mata, qui, honnêtement, ça, je peux le dire, chapeau bas, ils sont tous les jours aux côtés de l'équipe, ensemble avec les joueurs. Je pense aussi à tous ceux des Imaniens, le président Charles Tamboué, il y a des conseillers, donc je dis tous les comités. Voilà, tous les comités, ouais. Donc apparemment c'est la symbiose, tout le monde s'attend, il n'y a pas de divergence des vues comme ça a été par le passé. Exactement. Est-ce que vous croyez que le Daring Club Motema Pembe pourra cette fois-ci aller en Afrique? Ça sera aberrant si le Daring reste? Pas forcément aberrant, mais décevant, au regard de l'effort fourni, au regard des moyens engagés et au regard de la volonté. Et aujourd'hui, des Imaniens à pouvoir retrouver leurs couleurs plus haut qu'avant. Voilà. Donc, nous souhaitons bonne chance à tous les joueurs, chapeau bas. Ils sont aux entraînements tous les jours et il faut les voir. C'est vraiment des entraînements professionnels. Fatou Mangenda, je le disais d'ailleurs aux téléspectateurs au début de cette émission, que nous allons vous recevoir avec, bien sûr, le titre d'analyste sportif. Mais pour parler des sujets importants, on a évoqué les premiers. Ça concernait, bien sûr, ces reports du match avec le club Don Bosco. Et puis voilà, les seconds sujets concernent les tractations au niveau du comité olympique congolais. On veut quand même savoir exactement qu'est-ce qu'il y a. Les élections prévues au mois de janvier, février, mars. Nous sommes au mois d'avril. Nous nous acheminons vers la fin. Le samedi dernier, il y avait une réunion de clarification convoquée, on ne sait comment, mais bon, finalement, on va des réunions en réunion. On a parlé de la réunion du 22 et la date de l'organisation des élections n'est toujours pas connue, telle que nous sommes en train de partir, c'est-à-dire d'illégalité en illégalité, comme dans ces pays. Bon, tout se passe comme cela, peut-être qu'on tolère tout, et j'ai comme l'impression également que les sports a pris la maladie des politiciens de pouvoir tout ramener à plus tard. Au comité olympique, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui se passe réellement? On voit les gens s'agiter, on ne sait pas. De quoi il est question exactement? Bon, la crise, elle est multiforme au comité olympique congolais. La crise, elle est multiforme. Ça veut dire? Je pars d'abord des principes généraux. L'olympisme regroupe tout le mouvement sportif national. Dans les pays du monde, je vais me baser par exemple sur l'olympisme en France. J'ai eu à parcourir beaucoup de textes français. Le mouvement, on dit le mouvement sportif national et olympique. Ouais, c'est ça la dénomination. Vous voyez ? Donc, de part... sa définition, son essence, le mouvement olympique et le mouvement sportif doit être une juridiction prépondérante qui veille sur le bon fonctionnement du sport national. Exactement. Vous voyez, ça on parle, moi je parle de l'exemple français. Le mouvement sportif français, le mouvement sportif et olympique français est une juridiction. C'est-à-dire, en cas de... J'essaie de prendre cet exemple pour essayer de parler du contexte dans lequel nous sommes, aujourd'hui. Qui, à mon avis, est on ne peut plus aberrant. Dans une fédération, quand on a un conflit, lorsqu'on passe
toutes les juridictions d'une fédération et qu'on arrive à, au niveau de la fédération, on n'a pas de, on n'est pas satisfait des décisions, on peut même recourir au mouvement sportif et olympique français. Je me rappelle une fois, le gardien Barthez avait été sanctionné par la Ligue. Il a fait appel à la fédération qui avait confirmé la décision de la Ligue. Il a, avant d'aller au tribunal de sport, il est allé au comité national du mouvement sportif et olympique français. Et il a vu là, dans cette juridiction, sa peine être revue. Mais est-ce que notre mouvement sportif national, est-ce qu'il est effectif? C'est là la faiblesse. Parce que... Est-ce qu'il connaît même son rôle? Non, c'est là. Je le dis, de par nos textes, cette fédération des fédérations n'est pas encore une juridiction. Elle est juste à titre consultatif. Voyez, mais il faudrait aussi que ce comité, à travers des pouvoirs que les statuts, les textes peuvent lui conférer, à s'adapter à un pouvoir décisif aussi, décisionnel. Mais voyez. Comment vous pouvez expliquer l'engouement actuel des présidents de fédération pour briguer un poste au niveau du comité olympique angolais? Voilà. Est-ce qu'on a découvert qu'il y avait plus d'argent là-dedans ou bien c'est parce qu'on a été lésé par le fait que le gouvernement ait choisi seulement 4 disciplines pour subventionner? Non. Le problème est que le comité olympique n'a pas encore trouvé l'homme providentiel. Il vous souviendra, madame, que ces gens d'attitude se sont aussi passés dans plusieurs fédérations, voilà. Notamment celle du football. Ah oui, parce que le football voilà. Génère beaucoup d'argent, donc tout le monde donc, veut être. Mais quand il y a eu un comité qui a voulu mettre de l'ordre, l'ordre est venu dans le football. On a trouvé un homme providentiel, en la personne de Constant Omari, qui a stabilisé les choses, l'hémorragie, et a soigné la plaie. Au jour d'aujourd'hui, la FECOFA est une des institutions les plus stables du pays, avec des ligues qui fonctionnent normalement. Donc, le coq, partant de toutes ces querelles, je dirais byzantines, une information qui circule, c'est le président lui-même qui a un bureau ambulant et qui se promène avec ça. Donc, quand il y a un dossier à traiter, c'est lui-même qui traite directement et puis vous n'attendez qu'il ait retombé. Bon. Tout ça, ça frustre quand même ceux qui voudraient. Je me dis ceci, il faudrait mettre des hommes capables pour gérer le mouvement sportif congolais. La crise, elle est multiforme. De un, c'est la frustration des sociétaires qui, à un moment, se sont vus lésés. On les sollicite que pendant une ou deux semaines, je voulais dire, des élections. Oui. Là, on les sollicite, mais après, on les oublie. Que peut dire la fédération de basket qui a ramené les trophées au pays et qui n'est pas subventionnée par l'État? Que peut dire la boxe qui a ramené des médailles? Que peut dire le judo? Vous voyez, il y a des fédérations qui se sentent marginalisées et ils veulent que le comité olympique soit le vrai syndicat pour plaider leur cas au niveau du pouvoir public. Mais cela ne s'est pas fait. Est-ce que vous pensez qu'en cherchant une assemblée générale de clarification, ça va essayer de régler les choses? On peut garder les mêmes hommes? Non, moi je me dis mais ceci. En faisant la clarification, moi je me dis sujet. Ceci. Ou de concessions. Vous savez, les assemblées de clarification, les réunions de clarification, les réunions à gauche et à droite, c'est pour servir les hommes. Exactement. C'est pour servir les hommes. Pas pour servir les mouvements sportifs. Pas pour servir les mouvements. C'est des calculs des hommes. Ouais. Parce qu'il y a quand même il suffit parmi eux, tout simplement qu'ils se regardent. Les protagonistes d'hier, aujourd'hui, sont des alliés des Amos Mbaye, l'actuel président du COC. Voilà, je ne voudrais vraiment pas marcher sur les noms. Je voudrais seulement aller sur les principes. Au jour d'aujourd'hui, frustration au niveau des sociétaires et conflit au niveau du comité exécutif. Voilà. Bizarre, hein? Voyez. Ça n'arrive pas très souvent, ces genres de choses. Donc,
le CG, le président se tire à boulet rouge. Tous les jours. Alors que c'est les deux correspondants officiels. Voyez. Censés être ensemble, parce qu'ils ont géré ensemble. Ils doivent assumer le bilan ensemble. Au jour d'aujourd'hui, tel dit, tel signé, je n'étais pas au courant. Mais en principe, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, on doit assumer. Aux sociétaires, je me dis ceci, qu'il faille aller. Les statuts prévoient une assemblée. Une assemblée dite de clarification. Ou quoi? Quelle que soit la dénomination, mais quelle que soit la dénomination, une assemblée pour évaluer tout ce qui a été fait et à la fin sanctionner par le vote. Et s'il faut des poursuites judiciaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme par exemple un cycliste en Europe se dope et qu'il est pris en flagrance. Non seulement qu'il est puni sportivement, mais judiciairement, il y a un dossier qui est ouvert. Vous voyez ? Donc, il faut à un certain moment qu'on se dise, mais écoutez, s'il y a des preuves avérées de détournement, de ceci, on parle des 100 000 euros, on parle de ceci, ces montants-là n'effraient même plus ces présidents-là. Mais est-ce que l'idéal pour les différents présidents de fédération serait que l'on arrive quand même au prorata de la compétition à laquelle participe telle ou telle autre fédération de pouvoir bénéficier de quelque chose du gouvernement? C'est leur volonté ou bien ils veulent vraiment qu'il y ait de l'argent qui sort à tout moment, même quand on organise un championnat en face de chez moi et puis on dit que c'est un championnat mondial? Non, le problème est celui-ci. Il y a la part du gouvernement, la part de l'autorité politique qui doit savoir ce qu'il veut. On ne choisit pas ses enfants. Exactement, ce qu'il veut de la jeunesse. Voyez, qu'est-ce que le gouvernement veut de la jeunesse? Qu'est-ce qu'il veut faire de cette jeunesse? En face, il y a des acteurs, ceux qui exercent le métier d'encadrement de la jeunesse, à travers les différentes fédérations. Au jour d'aujourd'hui, on sent plus une mafia s'installer dans le sport. Vous savez, dans le temps, le ministère de sport n'était pas voulu par certaines personnes. Ah oui. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ont compris que le sport, bon gré mal gré, hein, vous pouvez être calme et être peinard. Non, voyez. Avoir beaucoup d'argent et puis être star, être inconnu. Quoi. On est célèbre. Il y a d'autres ministres qui ne sont pas connus. Voilà hein. Pourquoi. Ils sont restés 10 ou 5 ans. Voilà pourquoi. L'autorité politique doit pouvoir intégrer la donne sportive dans la gestion de la Respublica. Voilà. C'est un phénomène de société, c'est un facteur d'union, de cohésion sociale, à travers lequel des actions politiques peuvent être menées. Voyez, madame, vous savez, l'Écosse, c'est inclus dans le Royaume-Uni. Mais quand est-ce que l'Écosse se sent indépendante? C'est quand ils jouent, quand ils sont dans le sport. Quand ils jouent au football, c'est là où ils voient le drapeau de l'Écosse flotter ensemble avec le drapeau de l'Angleterre. Exactement. Alors que politiquement, ils sont engloutis. Voyez. Donc, à travers le sport, on peut arriver à faire une belle vitrine du pays. C'est ainsi. Nous invitons l'autorité politique à pouvoir jeter un œil sérieux sur ce qui se passe dans le sport. Un œil sans cataracte. Exactement. Et aussi inviter ceux-là qui exercent ces métiers d'encadrement de la jeunesse à travers le sport dans leurs fédérations respectives, avoir l'honnêteté intellectuelle et sportive de comprendre que le sport, c'est d'abord la jeunesse. Voilà. Je le dis, quand on fait le bilan, on a plus de dirigeants qui se sont enrichis, moins d'athlètes parce que qui ont servi des invitations des autres fédérations ou des autres ou des compétitions internationales pour envoyer toute la famille. Et quand on voit du côté des athlètes, c'est mieux que la R des Congo. On ne voit pas, on n'a pas d'icône maintenant. On n'a pas de modèle. Pas de modèle dans le sport. Alors que ce sont ces modèles qui vont créer l'émulation dans
le chef des petits qui naissent et qui viennent. Que les choses se passent, donc on ne saura pas diffuser cet élément. C'est très important également pour nous. Il s'agit donc de la Ligue des Champions. On a suivi tous les rencontres de la semaine avec, bien sûr, un rendez-vous comme Barcelone ou Juventus-Barcelone. Un match époustouflant. Et puis de l'autre côté, contre toute attente, Bayern contre la formation du Real de Madrid. Les condenser à travers ces sujets-là, on serait trop, parce que ça vaut la peine qu'on en parle, n'est-ce pas? À tout de suite. Sauf décision d'honneur, le Congo-Brazzaville décline l'offre de la Fédération internationale de basketball FIBA Afrique quant à l'organisation de l'Afro-Basket 2017. En effet, les autorités congolaises évoquent les motifs financiers. Malgré les multiples tentatives de la FIBA Afrique de faire revenir ces pays à sa décision, les chances paraissent extrêmement minimes en référence à leur lettre de renoncement adressée à la Confédération africaine de basketball le 8 avril dernier. Les contrastes existent en ce que le Congo-Brazzaville, hormis le fait que la conjoncture nationale et internationale marquée par la chute du baril du pétrole et ces pays qui disposent des infrastructures parfaites héritées des Jeux africains 2015. À comprendre la position des autorités congolaises, on peut avouer que la motivation était plus du côté de la FIBA Afrique que le Congo-Brazzaville. En attendant la déclaration prochaine de la grande instance continentale de la balle au panier, les qualifiés peaufinent déjà les entraînements pour de bonnes prestations, quel que soit le pays qui va l'organiser. Mais voilà, chers amis téléspectateurs, cet élément nous permet de mettre un terme à cette émission. En croisant les doigts, bien sûr, pour que les choses se passent positivement, comme nous, les vrais sportifs, nous sommes en train de les souhaiter. Et donc, le Real de Madrid a intérêt à pouvoir se qualifier pour la prochaine étape de cette Ligue des Champions. Et puis, naturellement, avec ce qui se passe avec le FC Barcelone, les souhaits seraient que la remontada ne puisse plus revenir cette fois-ci, n'est-ce pas? Non. Bon, je ne sais pas si c'est votre souhait, je ne sais pas, mais... Ce n'est que mon souhait. Bon, j'ai mis la main au jour, donc ça veut dire j'attends. Mais bon, vous savez, dans le sport, dans le foot a son côté mystique, oui, que l'homme ne maîtrise pas. Exactement. Peut-être que la remontada. La deuxième. Ou la remontada. Alors tu connais ça toi aussi. La remontada peut se faire. À présent, chers amis et téléspectateurs, c'est donc avec ça que nous mettons un terme à cette émission sportive. Mon autre plaisir était pour l'équipe technique qui m'a accompagnée ce soir et moi-même d'ailleurs, de vous compter parmi les nôtres. Nous avons été avec Patou Mongenda, analyste sportif et consultant. Avec lui, nous avons donc évoqué les deux sujets qui vous tenaient à cœur, c'est-à-dire la tentation au niveau du comité olympique et puis l'éventuelle sanction sur Don Bosco qui n'a pas pu se présenter au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match contre l'ASV Club comptant pour la deuxième journée des play-offs. Madame, messieurs, je vous retrouve, sauf imprévu, le lundi prochain à la même heure, sur la même chaîne, tout en vous rappelant que nous allons connaître une semaine, en tout cas riche en beaucoup d'événements. Déjà ce mardi, ne ratez pas, les play-offs reprend sur les différents stades de la République démocratique du Congo. Alors, merci Mathieu. Merci également à Fabien Akaloumé, c'est lui qui nous a permis d'avoir toutes les différentes informations que nous avons diffusées dans cette émission, comme toujours, et je crois qu'il va devoir garder le même cap. Merci Richard Massoulama. Merci également à Charlie Bouita qui a monté les sujets que nous avons diffusés dans cette émission, aux côtés bien sûr des rabbis. Et un grand merci, une grande salutation à une jeune dame. Et je l'aime bien, je ne sais pas si Mathieu peut, parce qu'elle est à côté de moi. Elle s'appelle, je ne vais pas dire l'autre nom, mais je préfère dire japonaise. Elle a des tout petits yeux et elle est vraiment véritablement japonaise. Elle a été à nos côtés, elle m'a réconfortée. Je crois que je suis arrivée chez vous sans problème parce que quelque part elle était là. Allez, bonsoir et à lundi prochain.